Saint-Stanislas de Champlain. Je suis propriétaire d'une scierie. Puis mon métier, et surtout que je suis scieur. Mon enfance était là. J'ai appris ça de mon père, parce que là, j'étais canteur à ce moment-là. Je suis un cours en foresterie à La Tuque, comme mesureur de bois. Mes études à La Tuque, c'était en 78. Ça veut dire qu'en 79, j'ai revenu ici. Que là, j'opérais avec mon père. En 82, ben là, mon père a acheté la meunerie parce que c'était son frère qui l'opérait et qu'il prenait sa retraite. Et que là, j'ai tombé meunier en 82. Là, j'ai opéré la meunerie pendant 10 ans. Là, après ça, la santé de mon père a tombé brimeux. Et que, il a suivi des traitements de chimiothérapie durant l'été, en 92. J'ai été obligé de scier le bois qui était dans le cours, qui appartenait à des particuliers. Fait que là, après son année de chimiothérapie, il a fait une biopsie dans l'épaule, puis là, ben, il n'était plus capable d'actionner le moulin, d'opérer comme scieur. Fait que là, j'avais un dilemme. Là, deux commerces, je ne pouvais pas faire fonctionner ça en même temps. J'ai décidé de fermer la meunerie, puis m'occuper de la scierie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai tombé propriétaire de la scierie, puis que là, je l'ai opéré depuis ce temps-là. Ouais, la construction a été faite en 1781 par les Jésuites. C'est la seigneurie de Besquien qui ont venu s'installer ici pour faire fonctionner ça. Après ça, la scierie est en 1860. C'est Noël Marchand et ses fils qui ont construit le moulin en 1860. Le moulin ici est à Cardes. Grand-père, lui, a acheté en 1925 les deux commerces. Là, ben, c'était ses deux enfants. Mon père qui était à sa scierie. Puis son autre frère, qui était à Samuel. Depuis 1925, c'est les Goulet qui sont ici. Okay. Je suis la troisième génération là, de Goulet qui opère ça. Les bois qu'on utilise, qu'on transforme ici, c'est toutes les sortes de bois. Que ce soit du bois dur, que ce soit du bois résineux, on les transforme selon la demande. Les essences qui sont utilisées le plus, je dirais, 90%, c'est de la bruche. Ouais, de la bruche, du malaise. C'est les deux sortes qui sont les plus utilisées. Après ça, on voit un petit pourcentage de pin blanc. Après ça, c'est du sapin pinette, pin rouge. Les sortes de bois qu'on transforme, c'est de la planche de finition. Du madrier. Après ça, souvent aussi des pieds. Des pièces un peu de toute mesure. Il y en a jusqu'à 24 pieds, jusqu'à différentes longueurs. On a déjà vu jusqu'à 45 pieds. Des pièces carrées. Aussi, il y a des fois qu'on a des demandes, fait des maisons pièce sur pièce, soit en 8 carrés. Le plus long, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est 65 pieds qu'on a été. C'est pour ça que la spécialité, c'est souvent les gens qui lui demandent des pièces spécifiques. Parce que ça ne se retrouve pas n'importe où. Fait que c'est l'avantage de son petit moulin qui est capable de le transformer aux besoins du client.
ce qu'on ne retrouve pas dans les cas. Ça, parce qu'il y a plusieurs qui vont arriver, ils vont dire, bon, ben là, j'ai une salle, parce que les anciennes maisons, c'est tout sur des sols, hein, sur le salaire. Fait que là, bon, ben là, ça me prend soit un 8 par 10, ou des fois, 6,5, les dimensions spéciales. Fait que là, le si en n'importe quelle mesure, ça ne nous change rien. J'ai suivi mon cours à la TUC, puis à la TUC, c'était la CIP, ça, le moulin à papier qu'il y avait à la TUC. Là, ils m'ont rencontré, puis là, ils me donnaient un contrat de travail avec eux autres, suite en sortant de l'école, un an, garanti avec eux autres. Là, ben, j'étais indécis, soit venir travailler ici, ou rester là-bas. Fait que mon père, il dit, vas-y, t'as l'opportunité. Puis, non, j'aime ça ici. Puis, je vais continuer ici. Mais par la suite, mon père, là, il m'a dit qu'il était fier que j'aie pas été à la tienne. C'est une façon de donner la chance d'essayer autre chose que dans son milieu là, familial. Fait qu'il a pu aller constater ailleurs son besoin, c'était quoi au juste. Puis, s'est aperçu que le noyau familial ici, ben, c'était son aventure à lui, là, de continuer ça. Et finalement, l'aventure était bonne pour vous? Oui. Pour les deux, finalement. C'est ça. Puis conserver ça en milieu familial. Patrimoine. C'est ça. Oui. Oui, puis surtout quand on aime notre métier, que c'est un plaisir de se lever le matin et puis d'aller travailler. J'aime ça ici. C'est pour ça que. Moi, ça n'a jamais été une tâche d'aller travailler. Ça a toujours été un plaisir le matin de me lever, puis ça va travailler. Puis après ça, il y en a qui m'ont demandé, ils ont dit, ça doit m'y être dole de faire toujours la même chose. J'ai dit, c'est jamais la même chose. J'ai dit, chaque arbre est différent. Il n'y a pas un arbre pareil. Soit il y a des nœuds qui sont différents, soit il y a une courbure, un défaut, il y a toujours quelque chose après un arbre. Fait que faut toujours l'étudier avant de le scier. Fait que c'est pas quelque chose de monotone, parce que c'est toujours devant quelque chose de nouveau. C'est pour ça que chaque arbre est étudié, puis qu'il n'y en a pas un qui est pareil, qui est identique. Fait que c'est pour ça qu'il n'était jamais sur le. Du monotone, c'est toujours la même chose. Chaque essence, ça s'entend. Chaque essence, on allait pour la scier et ça ne scie pas de la même façon. Il y a toujours quelque chose de différent. Nous autres, le moulin, on opère à deux personnes seulement, moi et un employé. Le moulin, on l'opère toujours à deux. On l'a transformé, parce que dans le temps de mon père, pour faire la même ouvrage, il en faisait toujours un petit peu plus. J'étais à quatre pour l'opérer. Mais là, c'était modernisé un petit peu, que là, on est rendu deux. Mais c'est sûr qu'on sort un petit peu moins de volume que lui faisait, mais on l'opère à deux, par exemple. La mulie, il peut pas rien arriver. C'est à l'épreuve de tout. Parce qu'on a des murs en béton, qui ont 24 pouces d'épais. Fait que ça, il y a tous des murs de 24 pouces d'épais. C'est fait à toute épreuve. Même que quand j'étais tout jeune, on est arrivé pour, avec mes parents, partir pour une sortie. Puis là, le temps s'est noirci, là, que mon père, il dit, là, il s'en vient de quoi? C'est juste, ça sera pas un ouragan. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en auto, on était placé en dessous de la mûrerie. Fait qu'on a rentré par en dessous, puis on a laissé passer le mauvais temps. C'est-tu l'année que le clocher de l'église a été enlevé? C'est bien ça, qu'il était rentré dans l'église. Et là, c'est pour ça que là, nous autres, on était en dessous, puis là, tu voyais tout le vent, puis tout ça, puis les éclairs, puis le tonnerre, mais c'est sourd. Dans une bâtisse de même, c'est sourd, sourd, sourd. C'est quand on est parti d'ici, nous autres, tout était beau.
Ben, on croyait que tout était beau. Fait qu'on est parti, puis on arrive au village, ça passait plus devant le couvent. À ce temps-là, c'était le couvent puis le collège, toutes les arbres étaient dans le chemin, l'église, la cheminée était rendue d'église. Fait que là, on a dit, ouais, ça a brassé. Fait que nous autres, on s'est revenu ici, mais nous autres aussi, notre cheminée du ployer était tombée en l'air. Fait que, puis là, c'est là que mon père nous disait tout le temps, ah, il dit ici, en dessous de la mairie, il n'y a rien qui peut se passer. Le barrage était construit, c'était tout en bois. Tout en bois. Quand mon grand-père a acheté en 1925, c'était tout en bois. Il n'y avait pas du tout de ciment. Tout est en bois. C'était en 1935 qu'il a coulé sans ciment. Il a tout fait, tout ce qui est en bois, il a tout transformé en ciment. Il a fait le barrage, la canalisation, tout coulé sans ciment. Parce que je sais que mon père m'a toujours dit, il s'en allait l'hiver dans les rapides, parce qu'au bout de la courbe là, qu'on a ici, là, plus loin, là, le niveau de la rivière, ça vient juste en rapide, puis il allait chercher de la pierre là, de la pierre ronde. Là, il amenait ses scies, puis là, quand il faisait du ciment, bien, il mettait de la pierre dedans. Il mettait de la pierre. Parce que dans ce temps-là, le ciment, c'était tout brossé à la brouette, là. Les démix n'existaient pas, hein. C'était tout brossé à la brouette. Hein? Que là, il mettait de la pierre pour se... La différence en amont avec à Laval, c'est 17 pieds de hauteur d'eau. La turbine est horizontale. La Muminie possède 2 turbines. La Syrie en possède 3. Les plus grosses turbines développent 118 HP. Comme la Syrie, moi, je fonctionne avec seulement 118 HP. Après ça, ben, j'ai une turbine qui fait marcher, fonctionner plein air. Elle est plus petite. Parce que ma turbine à 118 HP, c'est une 48 pouces de diamètre. Celle du plein air, c'est une 44 pouces. Puis j'ai un petit souffleur pour souffler, aspirer la rip pour l'envoyer dans un bend. Elle, c'est une 18 pouces. Puis la Muminie, ben elle, c'est deux turbines, mais il n'y en a qu'une qui est fonctionnelle. Parce que anciennement, c'était la Muminie qui faisait action. La Muminie actionnait la Syrie et la Muminie. Il y avait un chef qui continuait, qui passait au travers des deux bâtisses pour actionner la Syrie. Puis mon grand-père, ben quand il a. Il y a eu à Saint-Prosper, l'ancien moulin-ci, un dimanche, il y avait eu une crue des eaux, puis le moulin-ci est parti par l'eau. Fait que mon grand-père avait été acheter la turbine qui était là, puis c'est celle-là qui est rendue à Syrie. Là, c'est là qu'ils ont démanché, ils ont mis indépendants un à l'autre. Que la Muminie est tombée toute seule, puis la Syrie, elle avait... sa turbine. La rivière a un débit qui est assez volumineux. À ma connaissance, à date, quand les deux moulins fonctionnaient, parce que les deux moulins partaient, mettons, à 8 heures le matin et arrêtaient à 5 heures le soir, j'ai déjà vu 18 pouces d'un gros sécheresse, là, les plus fortes, là, sécheresse, 18 pouces d'eau en bas du barrage, du niveau du barrage. Mais ça n'empêchait pas de marcher. Ça a aucunement. On n'a jamais manqué. Ça ne nous a jamais nuit. Le manque d'eau. Ça n'a jamais arrivé. Les deux moulins. Là, à cette heure, quand j'en ai qu'un en opération, ben, je ne suis pas capable de baisser le niveau de la rivière. J'ai vu l'an passé, vu que c'était encore assez sec l'été passé. Arrivé, là, puis que le moulin arrêtait le soir, là, puis que le niveau d'eau arrêtait juste de passer. Mais tout de suite après souper, l'eau commençait à sauter par-dessus, puis il y avait du surplus. Donc, autrement dit, un moulin, il prend à peu près le débit que ce que la rivière apporte. Et moi, quand on parle de barrage, puis de turbine, ces choses-là, ça m'impressionne parce qu'on a une force motrice 100% naturelle qui est là. Oui, mais je me suis battu parce que le gouvernement... Il a fallu se débattre de beaucoup.
Ah ouais. Oui. Auprès du député, on est allé au député. Parce que c'est que l'histoire a commencé quand ils ont commencé à charger d'une taxation sur l'eau. Sur l'utilisation de l'eau. C'en est venu qu'en disant que la rivière, nous, on utilisait la rivière, okay, étant donné qu'on consommait de l'eau de la rivière, et il était pour nous facturer une taxation sur l'utilisation de l'eau pour alimenter le moulin. La scierie, non la munerie. C'est ça, pour la scierie. Pourtant, vous redonnez à la rivière que ce qu'on prenait à la rivière. Et voilà. Commercialement, pour la scierie et non pour la munerie. C'était la même chose, mais c'est agricole. L'eau, c'est une scierie, et que là, on tombait industriel. Fait que c'est plus la même loi. Puis si je fais mon électricité, ça coûte à rien prendre de l'eau. Là, j'ai dit, attendez un peu, là. J'ai dit, du caliste avant ce loi-là. Fait que là, ils m'ont dit, ils étaient sur le site. J'ai dit, l'article 6, que fonctionnait par exemple une centrale hydroélectrique, tout ça. J'ai dit, je suis comme ça. C'est le même principe, excepté en miniature. Mm-hmm. L'eau est en canalisation, une turbine est actionnée par l'eau, l'eau retourne à la rivière, puis là j'ai le chef qui sort puis qui donne le moi c'est la force hydraulique, mais eux autres ils ont dit, tu fais-tu le courant? Non, automatiquement. Les autres auraient voulu qu'on convertisse cette force-là en électricité pour aller faire vibrer ici. C'est ça, une force hydraulique, eux autres. La génératrice, t'en as pas besoin. C'est ça, mais force hydraulique, ça compte pas. Force électrique, oh, ouais. OK. Parce que nous autres, on l'a fait, l'électricité ici. OK. Dans le passé, mon grand-père. Alimentait tout le voisinage. Tout le voisinage, les cultivateurs en tout, avec la Hurricane Power, Water, là, passe, là. Hurricane Water and Power. C'est ça. Mm-hmm. Que, là, quand ça a passé, ben, là, c'était le 220. Puis, là, mon grand-père, c'était un sur 110, ouais, à ce temps-là. Fait que là, il a tout abandonné ça. OK. Mais il utilisait. Mais là, c'est là qu'ils ont dit, ça nous prend un relevé de consommation d'eau que tu prends. Ben, tu sais, vous allez venir prendre l'étude? Non, non, non. Faut-tu te faire venir un ingénieur, puis là, il va prendre l'étude, lui, il va mettre les instruments dans l'eau, puis... Ben, moi, j'avais la charte, que je savais ma turbine à 17 pieds de hauteur d'eau, comment ça prenait de... C'était 3500 pieds cubes à minute que ça prenait d'eau. Fait que... Là, je commence à calculer ça. Ça revenait à 15 piastres et 35 $ Okay. Pour l'utilisation d'eau. C'était le salaire d'un homme qu'il fallait débourser pour faire virer le moulin. Les autres, le but était que quand tu utilisais l'eau, c'est que tu la contaminais. Okay. Puis là, après ça, c'était ça qui était pour faire payer. Comme il y en a des scieries qui arrosent le bois, pas de chaud. Là, ils utilisent de l'eau, ouais, et la contaminent parce que là, ouais, parce que là, le sol. Là, OK. Là, c'était surtout eux autres qu'il fallait. Même moi, c'était pas ça. Même j'ai dit, vous devriez me payer. Comment ça? J'oxygène l'eau. Mm-hmm. Il requinère l'eau. Mais ça, ma turbine, quand elle fait le transfert, elle l'envoie en bas, elle dit, j'oxygène l'eau pour le poisson. C'est ça. Fait que là, ça passait pas. Là, j'étais en amende. J'ai été voir le député. On était rencontrés, chapeau, Noël Champagne. C'est ce que Noëlla Champagne venait ici, elle voyait la fonction du moulin, de quelle façon que c'était alimenté. Puis elle dit, je comprends pas que le gouvernement se mette les pattes là-dedans, puis qu'ils veulent vous arrêter de fonctionner, ils vont faire tomber ces petits patrimoines-là. Fait qu'elle allait voir le ministre Arquin, c'était le ministre Arquin qui était en pouvoir, poste, là. Mm-hmm. Puis elle allait le voir à tout instant. Elle regarde, là, il a encore reçu une lettre. Elle regarde, là, le gouvernement lui avait encore envoyé une lettre. Puis c'est avec ça qu'est venu à vous de débattre là, notre cause, puis comment on a reçu une dernière lettre de tout laisser tomber, que là, il nous laissait tranquille. Ah oui, parce que là, c'était au mois d'avril, ça. Là, j'ai reçu une lettre que j'étais 5000 piastres en amende. Là, Mme Champagne a dit, occupe-toi-en pas, il s'en vient de quoi? À la fin du mois d'avril, parce que ça, c'était pour être éligible au 1er mai, ça, mon amende. Mm-hmm. Fait que, en fin d'avril, j'ai reçu une lettre du ministre qui ont mis un amendement à la loi, que les petits moulins comme moi sont exonérés.
on était pour appliquer cette loi-là, on fermait carrément. Ah oui, ça c'est automatique. On fermait carrément le moulin. Et... Bien, comme il y en a deux qui m'ont dit, bien, fais craindre que tu fonctionnes 2 heures par jour. J'ai dit, c'est pas le but de tricher. Parce que j'ai dit, à mon sens, à moi, je suis pas en loi de payer. T'étais pas en faute. J'étais pas en faute par rapport. Ouais. Je parlais comme les centrales hydroélectriques. Puis eux autres sont exonérés. Même si je dirais, on m'a déclaré 2 heures par jour. Non, c'est pas logique. T'oxygènes la rivière. C'est ça. T'as tous les avantages sur ton bord. Si t'avais refroidi de l'équipement avec l'eau de la rivière, qui aurait retourné à la rivière, ouais, là t'aurais été un pollueur. Mais oui. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et même, je lui ai dit, faites le test. J'ai dit, la Samba à Saint-Geneviève, là, qui font les suivis des cours d'eau, tout ça. Ils ont pris des échantillons d'eau à partir de Sentec, toute la rivière. Puis tout le long, on descendait, jusqu'à Vatican. Et ils allaient voir, l'échantillon en amont, puis l'échantillon à l'aval, sont tous identiques. Fait que, c'est pas parce que je suis polluant, je suis pas. Il aurait peut-être été capable de trouver qu'elle est plus oxygénée en aval. En plus, oui. Ah, juste en bas du moulin, là. Oui, c'est sûr, parce que là, t'as les chutes et tout ça là, qui l'oxygène aussi. On était très contents que Mme Champagne, par exemple, c'est elle qui nous a vraiment là, sorti de ça, parce qu'on ne savait plus où aller que ça. Là. On recevait des lettres, Elle nous a aidé aussi. Elle dit, mon mari travaille pour Hydro-Québec, puis... Il sait le fonctionnement. D'un moulin comme ça. Il connaissait le fonctionnement. Là, en plus, là, il disait tout là, qu'est-ce qu'il en était exactement. Puis... Alors, devant la situation qui m'était soumise, devant la problématique plutôt qui m'était soumise, j'ai décidé d'aller vérifier, d'abord avec le ministère de l'Environnement de Trois-Rivières, qui m'ont dit, écoute, la loi, elle est là, il y a un règlement, le règlement doit s'appliquer. S'il n'y a pas de changement à la loi, ben c'est bien valable, il n'y a pas de changement tout court. J'aurais souhaité, moi, que le ministère fasse la démarche auprès de son ministre, auprès de son ministère, pour faire valoir peut-être les intérêts de M. et Mme Charest, mais ça ne s'est pas fait. Alors, je suis partie avec mes photos, avec les lettres que ces gens-là également, M. Goulet, Mme Charest, avaient reçues, leur demandant de payer, sinon il y aurait des pénalités. Et j'ai, entre deux, une période de questions, une période de travaux à l'Assemblée nationale, j'ai demandé à Pierre Arcan, Pierre, est-ce que je peux avoir une minute avec toi, c'est important. On n'a pas pris le temps de prendre un rendez-vous dans un grand bureau, là, avec 2 ans d'attente, là. 5 minutes après, on est assis tous les deux au Salon Bleu, pendant que les travaux se remettaient en branle, et je lui ai parlé du dossier de Mme Charest et M. Goulet. L'injustice qu'ils vivaient avec une taxation sur une petite série artisanale, et ils ne consomment pas l'eau. Parce que le règlement du ministère de l'Environnement sur l'eau, c'est la consommation de l'eau potable qui se devait d'être taxée pour ceux qui en faisaient un abus, ceux qui usent de l'eau pour toutes sortes de raisons, à bon et à mauvais escient. Alors, ce n'était pas le cas du tout. Alors, je lui ai montré les photos. Alors, il m'a écouté religieusement. Pierre Arcan connaît très bien le milieu. C'est quelqu'un qui a eu à vivre pendant, je pense, certains temps dans des vacances à Champlain. Alors, il était très sensible, à mon avis, immédiatement. Maintenant, quand on est député et que quelqu'un nous accueille et nous écoute au niveau d'un ministère, on est bien content. Quand c'est le ministre, encore plus. Alors, j'ai laissé les photos, mais sans avoir un espoir énorme. Mais disons que régulièrement, pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines à l'Assemblée nationale, je disais, et puis Pierre, comment va le dossier? Mon ministère regarde ça avec attention parce qu'il n'y avait pas juste une seule petite série artisanale. Ça en touchait une ou deux autres, je pense, mais très peu. Et bon moment. On se rencontre dans l'ascenseur, on s'en allait chacun à nos obligations, peut-être moi en commission parlementaire et lui ailleurs, comme ministre de l'Environnement. Il me dit, Noëlla, le dossier, là, tu sais, la petite série, c'est réglé. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis donc bien contente. Alors, la conclusion que j'en tire est bien, bien simple, c'est que quand tu es député et que tu crois dans un dossier, défends-le, puis tu n'es pas obligé d'attendre de grands rendez-vous, là. Si vous saviez à quel point c'est facile pour un député au Salon Bleu tous les jours, tous les ministres sont là, les députés sont là, puis on a toujours le temps de se voir. Il s'agit juste de cogner à la bonne porte et de dire « Allô, j'ai besoin de te parler ». Et jamais personne ne m'a dit « Non, je ne suis pas intéressé à te parler ». Et ça, c'est la beauté de la vie politique.
chez un député qui peut en arriver à régler certains dossiers, dont celui de la famille Goulet. Alors, je suis très, très flattée de voir que les Goulet ont parlé de mon intervention dans ce dossier-là, mais c'était une intervention normale, et quand on croit quelque chose, il faut toujours aller au bout de ces décisions. Voilà. Tant que on aime notre métier, et que c'est un plaisir de se lever le matin et puis d'aller travailler, que j'aime ça ici. C'est pour ça que moi, ça n'a jamais été une tâche d'aller travailler. Ça a toujours été un plaisir le matin de me lever. Puis, alors, monsieur, madame, merci infiniment.